Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Il a eu 58 pertes. Ah bah c'est son général à lui. Oh, c'est au ralenti. Ouais, c'est un peu bugué là. Oula. C'est original. En marche. Exactement, en marche. Ah, oh, j'ai pas la portée pour. J'ai pas la portée pour moi, ce gars. Des esclaves, des esclaves. Ça nous rapportera du fric. Ouais. Hop, ça c'était la première bataille. Deuxième à Marib. Ah, à Marib c'est peut-être moins drôle par contre. Ah ouais, il y a du monde. Ah, en plus ils ont une bonne garnison. Il faudrait peut-être deux armées, non? Ouais. Ça serait peut-être plus simple. Je crois que c'est ce que je vais faire. Face à notre puissance. Je vais quand même prendre ça. T'as oublié de les affamer, qu'est-ce qui se passe? Ben, même pas. Je pense, enfin, j'ai mis les deux espions dessus, je pensais qu'ils... Mais... Ah non, ouais, ils ont pas faim, ils sont pas affamés pourtant, malgré les deux espions. Peut-être une grosse production de nourriture. Ah non, ils sont à moins 5 pourtant. Bah ouais, c'est bizarre. Bizarre. Peut-être qu'ils sont habitués à manger du sable, je sais pas. Il y a 2-3 buissons dans le désert, ils sont bien organisés. Ah ouais, ils ont pas de perte en plus, hein. Elles sont vraiment complètes leurs troupes. Mais après, tu sais, quand t'as l'habitude d'avoir le frigo vide, bon, à la fin, tu t'y fais. Hein. Ah, peut-être qu'ils ont développé une résistance à la fin. Ouais, enfin, au bout d'un moment, tu perds un peu de poids quand même, t'es pas bien. Hein. Ouais, tu perds un peu de poids, mais bon, ils sont encore en vie. Mmh. Ils ont encore un minimum de muscles pour porter un bouclier et une lance. Ah, je sais pas comment ils font. Prêt pour la bataille. Bah après, ils ont pas d'armure. C'est plus simple. Je vais me reculer un peu là, je vais aller dans la petite oasis qui est là. Tout de suite. Histoire de pas avoir les renforts de la cité si jamais ils attaquent. Ça pourrait mal se passer. Ça pourrait très mal se passer. Et Rome, ils ont pris ma commande, hein. Ils ont pris l'entièreté de la Libye, hein. Ça y est. T'es sûr en fait. Ouais. Bon, moi ça me va, hein. J'ai juste à foncer sur... Entraînement de marine. Fasania. Plus 1% d'emplacement de recrutement dans tous les ports, moins 3% de coût d'entretien pour les flottes. Plus 3% de taux de reconstitution pour les armées et flottes après une bataille. Ça c'est sympa. Yes, Uli, il est agonothète. C'est bien ça. Plus 5%, oh, plus 5% de morale pour les unités d'éléphants. Déjà que c'est intombable ce machin. Bon, il risque d'y avoir de la bataille. Hein. De mon côté, dans 2 tours max, je prends Charax. Mm. Tu vas être bien en nourriture là, ça va te faire un bien fou. Ah, déjà là, je suis bien là, je suis à 12, hein. J'ai fait des constructions. Mm. Je me permets de rentrer chez eux. De toute façon, on sera en guerre dans un tour. Donc, n'est pas à ça près. Non, mais c'est pour visiter. Tu lui dis, voilà, c'est, exactement. C'est touristique. Exact. C'est purement touristique. Oui, c'est touriste. Alors... tourisme, vous êtes combien en plus? Vous êtes pas des masses, vous êtes quoi, 2000? C'est bien, 2000 touristes. C'est sympa. Ouais, franchement, que dalle. Ici, Marie, moins 5, moins 4. Ah, je me tape moins 4 de nourriture là. Mais je peux me le permettre. J'ai amélioré mes bâtiments militaires au max.
histoire de pouvoir avoir des bonnes unités. Ouais, ça te fera du bien, là. Je vais passer mon tour. Autre affaire. À part peut-être vérifier la politique pour voir s'il n'y a pas des soucis politiques. Non, apparemment, c'est 0% de chance de guerre civile. Ouais, ton ordre public. Tu peux peut-être augmenter ton ordre public en Galatia et Ça. Cappadocia. Il est pas négatif, mais plus vite il va augmenter, mieux ce sera. Ah, pour le moment, ça va. Ouais, mais bon, si tu peux passer à plus 18 au lieu de passer d'être à plus 8, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu Mais vois, tant que là, t'as de la malheureusement, j'ai pas finance. la possibilité. Ah, t'as pas la. Pas une agression avec le pont. Ah vache, tu t'entends J'accepte. bien avec d'un coup? C'est eux qui m'ont proposé. C'est fou ça. Traité de paix de là. Après, je pense qu'ils se méfient peut-être un peu de moi, tu vois. C'est comme un territoire assez grand Non, pas comparé ça. au leur. Chais! Ça m'arrange. Ah! Il y a eu un sage ennemi qui a essayé de faire de la corruption. Carrément. Ouais. Je sais pas s'il a réussi, mais je crois qu'il a pas réussi. Rod, pacte de non-agression, me demande. Non. Putain, s'il a réussi à corrompre. Ça, c'est chiant. Ça, c'est le pire truc du jeu, ça. Ça, c'est terrible. Ah, mais il y a Chypre qui vient m'aider. Bah oui, c'est vrai. Pour le coup, ils ont pas fait le déplacement pour eux. Ils y ont cru, mais ils se sont dit bon, on a une petite opportunité de servir à quelque chose. Ah, ça y est, j'ai le plan. Impeccable, on va pouvoir leur mettre du plan dans l'aile. Bah. À gogo ici. Hein. Hâtez-vous. Et on va essayer de faire en sorte qu'il nous En agrément. fortification. Il m'a piqué quand même une bonne unité Comment puis-je de aider cavalerie rang 7, le Pharaon? salaud. Je ne suis personne. Terrible. Ouais. Je vis pour servir. Oh, j'ai va. qu'une seule province de Alors verra complète. ce qu'il verra. Bientôt, j'en aurai deux. Ah la vache! Après, je suis un peu freiné par Chypre. Je peux pas avoir la CICI au complet. T'es pas en alliance militaire avec Chypre? Comme t'es en alliance militaire avec moi, que c'est ma. Je sais Non, on pas. va dire que c'est plutôt un voisin, un copain de. Ouais, un ami d'amis, quoi, on va dire. Ah merde, ah, ça te bloque. Bon, au pire, à un moment, tu les affameras et puis. Ni vu ni connu. Hop, oh bah, on a trébuché dans votre ville. Désolé, les gars. C'est vrai qu'ils ont du vert en plus là, ça m'arrangerait d'avoir Chypre. T'en as du vert, toi? Ouais, j'en ai déjà, mais si je pourrais en avoir plus. Ouais. Parce que moi, en même temps, ils me donnent des revenus, donc c'est mort aussi. Mais... Au bout d'un moment, Plus les tard, revenus, on va pas en si je avoir prends besoin. Pergame, j'aurai du marbre. Hop. Bon, les sabbats, je compte sur vous. Vous êtes en supériorité numérique à Marib. Prêt pour la Le royaume de bataille. Tilis a pris la Bithynie. Un homme à plusieurs visages. Et ça, Ah c'est vachement ouais. intéressant parce que généralement, le royaume de Bithynie, c'est une faction qui est souvent très loyale au pont. Et bah, les deux là, ils te font chier quoi. C'est vraiment dur de les affronter en même temps. Hey, royaume de Tilis, ils ont presque toute la Thracia par. Nemosos, je crois. Là, c'est ça. Ah mais Rome, Rome, oh là là, Rome. Ils ont Larissa, ils ont Apollonia, ils ont les anciens territoires Épire. Ah oui? Ouais. Ah, ils ont Larissa, carrément. Ouais. Ah ouais. Je sais pas s'ils s'entendent bien avec. Athènes à paix là. Et Tilis, bah les anciens territoires macédoniens. Et t'as les Sardes en mer à côté Ils sont en train de mourir de de faim Péa. en exode. Oh
Oh merde. Hey, Rome ah, s'entend pas bien avec Athènes. Il permet de faire game à côté d'Éphèse. Hey, et Rome, il est aussi en train de conquérir l'Illyria. Ah, d'accord. On va purer. Tu ouais, as perdu une province en Afrique, non? Oui. Il s'en fait prendre l'Epsis, c'est tant mieux. Bon allez, il est temps pour moi de récupérer Charax. Ah merde, ils ont pris Phasania par contre. Charax. Ah, je suis obligé de t'aider. Ah, Chypre a refusé de vous rejoindre. Ah merde, bah j'ai perdu un état client. Ah non. Ah, ça veut dire que je vais pouvoir récupérer ça. Eh ben apparemment non, je l'ai pas perdu. Ah ok. C'est peut-être pas une satrapie moi, c'est peut-être un état client. Et c'est différent. Bah merde alors. Je t'ai donné un faux espoir, désolé. Comme toutes leurs troupes sont à Babelwed là, j'aurais pu la prendre facilement en plus. Ouais. Tant pis. Ah oui voilà, ils sont éparpillés de chez éparpillés. Hein. Et ils sont tant pis. Ah ça me met bien, afin que j'ai la province complète. Les griffes de la harpie, les 10 000, les aigles de Zeus. Ce que je ne comprends pas, qui en eut à 4 bâtiments et d'autres il n'y en a que 3 max. Ça c'est un peu chiant. Sûrement une histoire d'équilibrage ou un truc comme ça. Peut-être. Et plus 2 de nourriture dans toutes les régions des provinces adjacentes avec le bâtiment principal de Charax. Ouais. Pas mal. Ça va te mettre bien au niveau bouffe. Hein. 20% de richesse prenant des fermes. Ah donc j'ai tout intérêt à faire une ferme alors. Oh oui. Ce que... Et j'en ai deux des bâtiments comme ça en Égypte. Je pense que je vais faire un port de commerce. Je sais pas. C'est vrai qu'un port de pêche ça m'aurait rapporté pas mal de nourriture. L'armée qui est là, je vais commencer à la moderniser. L'inconvénient de ces des colonies fermières, c'est que ça donne pas d'ordre public. Ah. Vraiment pas si. Donc, il faut que tu sois bien, quoi. Il faut que tu sois sûr que ça passe, quoi. Plus de pitié. Là, si tu m'attaques, vous êtes 10, vous êtes 30, vous êtes 40. Si tu m'attaques là, vous êtes 40 contre 19. 18 si t'arrives à faire ça ta copie. Ça commence à ressembler à quelque chose. Territoire. Un Mystos, j'aurais écouté des piquiers comme j'avais dit. C'est pas aller dans la région par contre. Ça qui est chiant. Ah, tant pis. Ah, je m'entends bien avec la Bactrie. Ah ouais? Mais ils veulent pas faire de commerce. Ah, à mon avis, c'est parce que tu tapes sur la partie. Attends, tu peux faire du commerce avec la Bactrie? Ouais, mais ils veulent pas. Et par où? Et maintenant, je peux faire du commerce avec Drangian, ma satrapie. Ah oui, par Charax. J'ai un port. Ouais, ça c'est cool. Ah ouais. Ah ouais, bah la Bactrie est en train de taper sur Arachosia. J'ai l'impression. Je veux faire du commerce avec les guerres à Mantes, c'est bien. Rome, à mon avis, ils vont pas vouloir. Sur. Ils vont te demander leur paiement. Ouais. Ils veulent pas. Ah, ils sont en guerre contre Pergame. Ouais, ça fait un bon nombre de tours déjà. Ils font une drôle de guerre en fait. Ouais, je suis là pour le coup. Ils font pas vraiment la guerre au final. Non. En même temps, ils sont obligés de faire un débarquement l'un et l'autre, donc. Ouais, c'est pas ouf. Pas, ouais. Non, il a pas de port, donc il va pas aider. Et l'autre, il a pas de. Il a rien pour prendre un port. Ouais,
ça me met bien. Eh bah, c'est bon pour moi. Ah ouais, je peux mettre un Eddy maintenant. Ah. C'est bon ça. Quand il y a des jeux. Quand il y a des jeux, ça peut être pas mal. La récolte des impôts, c'est bien aussi. Ça, c'est j'ai 20% d'impôts, mais j'ai pas non plus des impôts super élevés en Mésopotamie. Bah là, comme tu viens de prendre. Puis l'agriculture, ça rapporte pas non plus des masses. Ouais, j'ai pas encore fait de bâtiment commercial. Pas fait de porte de commerce encore. Du coup, comme je viens de prendre la ville de Charax. J'ai pas encore mes deux derniers slots de bâtiments, là c'est le site du Tigre. Là c'est que des bâtiments militaires que j'ai fait, sinon c'est de l'économie, l'agriculture. Et ouais, je vais faire de l'industrie sur la fin quoi. Ça rapporte moins quoi. C'est clair. Mais ça viendra. Mais en termes de bouffe, ça me rapporte beaucoup, donc ça me permet d'améliorer les bâtiments dans votre province. J'avoue que là, tu dois être bien en bouffe. Hein. Ah, je suis à 28 là. Ah, ouais. Ah j'aime ça. Oh, je me frotte les mains. Oh, j'adore ça. J'adore les batailles gagnées d'avance. En plus, là, c'est sûr. Sans doute la dernière bataille. Hein. Ouais. T'attaques ? Ah, ouais. Ah, je sens la viande. Mon odorat commence à déconner ou comment... Qu'est-ce qui se passe? La vente de cheval, de chameau peut-être. Là sur cette bataille, je vais te filer les archers. Piquez. Bah Calmar voulait des batailles et ça. Nous attendons vos ordres. Ouais. Tout ça, c'est une bataille de fort. C'est vraiment les plus fun avec les batailles d'embuscade. Surtout avec des piquets. Piquet. Oh ouais. Les piques traversent les murs, c'est génial. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est n'importe quoi. Je vous jure, les amis, j'ai 850 heures de jeu. Je ne savais même pas qu'on peut faire ça. Ah bon, on peut faire ces trucs sur Rome 2 là. Allez, piquer, c'est. C'est n'importe quoi. Sont des magiciens les piquets. Et tu veux voir un autre truc qui est encore plus con? Fais voir. Regarde bien où est par là. Tu vas voir, ça va apparaître maintenant. Tu l'as vu c'est apparaître? C'est des piquets à travers les murs quoi. Ah tu le vois pas? Tu vois pas? Non. T'es sur le bon mur? Non t'es pas sur... va sur l'autre mur à l'opposé. Ah. Ici. Alors j'ai un peu de délai. Hein. Donc, l'autre. Est-ce le que troisième. C'est moi qui. Le troisième. Attends, je vais prendre les indicateurs. Celui-là. Celui-là. En bleu. Il y a quoi de plus? Oui, il y a des pics à travers les murs, mais. Non, c'est pas le bon. C'est toujours pas le bon. Ah, non, c'est pas le bon mur. C'est toujours pas le bon mur. Celui-là. C'est celui-là, celui où j'ai du bleu là. Ah, ok. Le bleu qui est rouge. Ouais, j'ai vu. J'ai vu que. Il y a piqué à travers les murs. Eh, mais une petite différence, zoom bien au centre. Ah, ouais, t'as mis un mur, une fortification. Je mets des barricades. Et en fait, pour casser les barricades, ils sont obligés de foncer dedans. C'est abusé. Sauf que les pics protègent les barricades et ça temporise de fou en fait les unités à ce niveau-là. Je connaissais pas cette strat. Je suis tombé dessus par hasard. Alors des fois ils les pètent eux-mêmes, c'est un peu dommage. Mais la majorité du temps c'est pépite. C'est vrai que là ils t'attaquent avec beaucoup de troupes, mais pour le coup ça va être un carnage. Ah bah là ça va être un vrai carnage. Ouais. Et surtout que bah, je vais m'appuyer sur toi pour la pour les archers. Je vais te demander de gérer tous les archers. Yes, ça marche. Et en priorité,
taper les unités à distance, ses propres unités à distance. Ça marche. Alors, t'as pu mettre que deux murs au total. Ouais. Ok. Le deux murs. J'ai le droit à deux chevaux de frise que je vais mettre. Si j'y arrive. Voilà. Je crois qu'il a. Ah mais je sais pas d'où viennent les renforts. On va faire ça comme ça, deux chevaux de frise. Et des fossés à soufre, de soufre, mais c'est de la merde, je trouve. Parce que pour les activer, t'es obligé de sortir. Que tes péons oui, ils l'activent. T'es à réagir avec les boules. Non, non, c'est. Ah, je vais te montrer. Hop, je vais le... C'est. C'est ça. C'est des trous, ils mettent du soufre dedans. Ah c'est... oui. Tes ouais, unités sont obligées de sortir, donc ils vont l'allumer. Et après, tu les dis, bah, naturellement, de retourner dans les murs. Sauf que, quand ils retournent dans les murs, bah, ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Ah merde. Ouais, c'est pas ouf. Donc en général, je les utilise pas. C'est okay. Con ça. Et, ben... Et le feu est pas activé par défaut ? Non. On peut l'activer avec des munitions enflammées, mais ça vaut pas le coup de gaspiller pour ça. Enfin, moi je trouve. Ça... C'est vraiment chiant à placer les archers. Seriez-vous attiré par les forces pavanant devant vous ? C'est... Alors après, ils vont. La première armée vient toujours de ce côté-là. Il y en a une qui vient derrière. Ah, c'est pas terrible ça. Les renforts viennent derrière. Ah. On va déplacer. On va se placer comme ça. Il y a des éléphants sauvages qui fuient. Ici. Oula. Peut-être un peu trop étendu là. T'as la cavalerie qui arrive. C'est impeccable. Ah, t'as la cavalerie archer. Je connais l'IA de Total War. Je pense qu'ils vont pas faire des mouvements de conformement. Oh non, ils vont foncer dans le tas. Hop, si tu oui, peux d'accord. Juste retirer le feu à volonté des archers, s'il te plaît. Le but c'est vraiment qu'ils tapent les archers ennemis à distance. Ouais. Par exemple son général à chameau. Et tu vois, la barricade ouais, elle prend presque pas de dégâts. Elle a c'est un cheat code. Tellement. Oh, il y a de la cavalerie derrière. Ah bah ils ont des archers à chameau. Des archers à chameau, pardon. Ouais, c'est son général. Je vais mettre le mode garde sur les archers. Ouais, regarde derrière aussi. Prêt pour vos ordres. Ouais, j'ai vu. Oh, la cavalerie. Ils vont s'empaler là. Même vitesse. Ouais, sachant qu'il y a pas de. S'il y a une cavalerie archer aussi sur chameau. Ah, dans l'eau, il y a des archers. Le tout dernier c'est le général, pareil, c'est un chez HM. Ah ok, je vois. Là, son général il est bientôt trouvé, t'as les recrues de tribu ici. Nightier. Voilà, c'est fait. Abattez pour la gloire ! Cavalerie démêlée ! Pour cette unité là. Le Bourgoun l'honneur ! Quels sont vos ordres ? Derrière, bah là la cavalerie elle s'en pâle. Ça y est, il y a son archer à chameau qui est là. Je te laisse faire le tir. Complètement abusé. Éléphant de guerre. Les ordres. Éléphant. Micharal. Exactement. Cavalerie. Puis attends, t'as pas vu plus haut. J'ai l'éléphant. Non, même pas. Un autre truc encore. Accélérez. Qu'est-ce que c'est alors? Putain, je vais mettre la cavalerie à un tout petit peu. T'as pas peur de les tuer avec les herses? Non, justement, je veux pas charger. Mille morts! Et là, tu vas dire, bah, c'est bizarre ce que tu fais. Ouais. Éléphant de guerre! Les renforts qui arrivent. Ouais, bah là, les renforts, ils sont plus tarifs. Hein. Hop là, nice. Donc tu vois, là je mets le feu au bâtiment. Et regarde bien le bâtiment là qui est en feu. Enfin, la palissade là qui est en feu.
quand elle va être cassée. Quand, quand elle va casser. Regarde bien quand elle va casser. Exploser, ça va tuer tes hommes, non? Mais c'est pas les bons, justement. Et tes mecs, ils peuvent jeter des torches. Ouais. Bah, tu sais, comme quand on veut prendre des portes sur un. Sur une. À son cité. Tu peux brûler les portes. Ah ouais, je vois. D'accord. Salut GG, tu vas bien? Maintenant, ce soir, je stream pas sur Warte. Demain soir, je pense que ouais, par contre. Ah, c'est les unités ennemies là qui arrivent. Je vais renforcer. Ah, du coup, ça explose et ça tue des soldats ennemis. Ça explose, ouais, un petit peu, ouais. Et ça fait bien mal en zone. Ah ouais, d'accord. C'est génial. C'est quand même très fort. Oui. On peut même dire que c'est totalement pété. Hop, tiens, t'as une petite unité de frondeur. Ah, mais on va pas la porter. T'as les tirailleurs. Ouais, j'ai vu qu'ils ont des archers qui sont en approche. Ouais. Ah, c'est abusé. Alors, il est bien le KV1S. Éléphant de guerre. Ah, ouais, ça fait une petite explosion. Ah, mais de rien, ça fait mal. Ah, mais ils ont même pas perdu un homme, t'es pitié. C'est abusé. Et ouais. C'est beaucoup trop fort le piqué. En défense, c'est comme ça. Gardez la vitesse. Au pas de course. Éléphant de guerre. Dégainez vos armes. Faites couler leur sang. Tac. Allez, tirer dans le tas, tirer dans les archers ennemis. Oh merde, j'ai un éléphant qui a mouru des frises. En vitesse. Ils ont pas d'armure en plus. Je reviens un peu. Ah, c'est efficace les sables là. Ça fait mal. Hein. À votre service. Hop, le canon est là. Accrouillez-vous. C'est quand même assez efficace. Éléphant de guerre. Cavalier, ah bah c'est bon, ils sont tous morts de l'autre côté. Oh ouais, bah là ça a été. En vitesse. C'était expéditif de l'autre côté. Là j'ai la cavalerie qui arrive là pour taper les unités à distance. Dès que son train est en carnage. Ils ont même pas réussi à casser la barrière. À quelques endroits, ouais. Aidé par mes éléphants. Je suis imprécisé. Les éléphants. Ah d'accord. En avant. En cavalier, avancez. Hop, arrête le feu des archers. Ouais, je tire sur la masse d'ennemis. Ouais. Arrête le feu, ouais. Engagement. Oh, même pas. Hein, ouais. Oh, ça fait plaisir de voir des petites volées de flèches. Tant que ça touche pas les alliés, moi ça me va. Non, oh, t'inquiète. Après, c'est à eux d'apprendre à viser. Ouais. Ils sont pas trop mauvais, je crois, en plus, là, les archers. Le gourou de Pharaon. Cavalier, accélérez. C'est plutôt la déroute. Ah, bah, ouais, Virtus. Oh, ils se servent de leurs flèches. Hop. Impec. Dès que ce sera gagné, je te laisserai désactiver le feu à volonté. Je suis pas sûr avec des. Mais le feu à volonté est déjà désactivé. Enfin, retirer les. Enfin, stopper les. Ah, je l'ai mis en halte. Voilà, c'est bon, bah y'a plus qu'à les massacrer. Exactement. C'est gratuit, c'est pas cher. Comment ça, GG, en vrai, oui et non. Tu es déçu du KV1S ? Guerrier égyptien ! Fauchel, engagement ! Hop. C'est bien sympa cette petite bataille. Ah, c'est agréable, hein. C'est presque jouissif hein, de avoir une c'est bataille clair. Comme ça. Techniquement, le jeu dit que tu perds, mais en fait, non. Ah, tu exploses. Les stats. Ah, c'est quand même très très fort les piquiers sur Rome 2. Bien utilisé, c'est pété.
sur Attila, ils sont beaucoup moins forts que ça. Ah ouais? Ah oui. Ils ont quand même leur utilité, mais ils sont beaucoup moins forts, tu vois. Parce que sur Rome 2, t'as cette petit effet de mur, tu vois, par les piques, par le mur de pique, qui fait que le seul contre pour les tuer, c'est les archers, quoi. Et t'as pas ça sur Attila? Si. Mais ils sont beaucoup plus vulnérables au tir. Et en plus, ils sont beaucoup plus faibles face à certains types d'unités au combat. D'accord. Enfin, voilà, ils sont quand même efficaces pour tenir une position défensive. Mais une seule unité ou deux ne peut pas tenir une porte face à 10 unités, quoi. Au bout d'un moment, ils vont commencer à faiblir et à mourir. Ouais, que là sur Rome 2, c'est tranquille presque. Bah ouais, sur Rome 2, si tu veux, les piquiers, c'est un peu des tanks, quoi. La Ouais. formation de pique, bah, tank, C'est et fait très violent. d'énormes dégâts. C'est très très violent. Je sais pas si tu as Attila, tu vois, mais tu verras, les piquiers sont pas aussi forts. Ah, j'ai Et pas ils ont pas Attila. autant d'armure, généralement. Mais je crois qu'un de mes records de ki avec des piquets, ça doit être 1000-1500, un truc comme ça en plus, en une bataille. Sur Rome 2, ils sont vraiment trop forts, c'est abusé. C'est génial. J'ai pas regardé les récaps. On a 135 pertes. Oh la vache. Quand tu joues les Grecs sur Rome 2, tant que tu rencontres pas les Romains ou certains peuples qui ont des archers montés, bah, littéralement, tu roules sur le jeu, quoi. En début de partie, ouais, totalement. Là où ça peut changer, c'est en fin de partie, par exemple, contre les Ah ouais, factions gauloises. les Romains. Les Gaulois aussi, hein, ils ont ce que je pense être la meilleure unité du jeu, les nobles guerriers. Les Ouais, ils ont des guerriers bonnes fidèles ou unités un de truc comme ça. cavalerie et d'infanterie. Ah, l'infanterie, elle est même, je la trouve plus forte que que la légion romaine. Et d'ailleurs, en un Cool. contre un de face, je crois qu'il va gagner contre toutes les unités romaines. Même les gardes prétoriens. Préparation du siège de la colonie. Ah d'accord. À niveau égal, ouais, je crois que j'avais fait un contrat. À vérifier, mais il me semble que ouais. Hein. Okay. C'est pété. C'est. Putain. Et pour la bataille. On prend le barrage. Bien avancé, Un nous grand aussi, barrage c'est de bien. Marib. Un fort témoignage de l'ingéniosité de notre peuple, avec quelques légers défauts. Ah bon? Moins 100 de richesse pour l'entretien, plus 2 de croissance par tour dans toutes les provinces, plus 10% de richesse provenant de l'agriculture de toutes les provinces. C'est cool ça. Purée, ouais, surtout avec la production de richesse de. Enfin, de agriculture de. De l'Égypte? Ah ouais. Ah bah ça Non, se pas voit. mal. Je suis passé à presque 12 000 de revenus par tour. Et t'es à combien? Je suis à 11 986 et je devais être aux alentours des. Je sais qu'il y a quelques tours, j'étais aux alentours des 7 000. Ah donc t'étais légèrement devant moi quoi, économiquement. Ah ouais, là ça aide bien. Ok. Hein. Ah, vache. En vrai, c'est les merveilles et les bâtiments spéciaux comme ça qui font la différence. Ah, de fou. Mais toi, tu dois. C'est bizarre que t'en aies pas des bâtiments uniques, Séleucide. Celui pour Je crois servir pas. Pharaon. Bah, à Défends part la ton maison du peuple. satrape. Mais non, même pas. Nous nous battons pour C'est Dieu, ça qui mon est. C'est Seigneur. disponible par toutes les. Les factions orientales. Ah ok, non. C'est pour ça que J'ai ça me la paraît bizarre. Quédénia, ça va qu'au niveau Défends-moi 4. aux ordres. À vos ordres. Ouais. Oh, je crois que j'ai pas de bâtiment spécial à ma À votre faction. service. Ouais, c'est dommage. Par contre. Pas sûr, hein, non.
Les hommes doivent servir. J'ai amélioré le... C'est la production de fer. Je peux améliorer mes armées. D'accord. Chaque armée, c'est plus de 3000. L'amélioration. Ça pique. Oh, les dépenses. Que puis-je faire pour l'Égypte ? À votre seigneur. 3375. Que puis-je faire pour l'Égypte ? En marche ! Nous avons trouvé un abri. Ah bah c'est beau. Province. J'ai que des provinces complètes. Ça, c'est maintenant tu peux aller à l'ouest en Afrique. Exactement, bah là je vais direction la Fazania et la Fata. Ah là c'est bon, là ton flanc droit est protégé. Exactement. Bah si t'as besoin d'un coup de main, je laisserai peut-être une troupe dans le coin. Mais sinon... J'ai plus besoin de conquérir. Ouais, c'est ton jamais. S'il y a des Orientaux qui débarquent chez toi. Ça peut ne pas être. Ah, il y a la Bactrie qui a Oraya. Ouais. Bah, c'est pour ça que tu peux commercer avec eux. Ouais. Mais ils veulent pas. Je crois comprendre. Je crois que. Ils ont encore une dent contre nous. Bon, bah, c'est pas grave. Les penseurs ont souvent cherché à organiser la gestion de l'état et de la personne, comme dans les œuvres de Xénophon et d'Aristote. Mais qu'est-ce qui est important d'après vous ? Un nourriture dans toutes les provinces, ah, c'est pas mal ça. Plus 20% de richesses provenant de l'agriculture. Ah, c'est pendant 4 tours seulement. Ouais. Plus 10% de taux de recherche. Ah, c'est bien. Esclavage. Donne un petit bonus de 10% de richesse générée par les esclaves. Oh, pas mal. Le savoir, c'est quand même le truc de base. C'est ce que je prends presque toujours. Ouais, après mon tour et le tien, je te propose qu'on arrête là. Ouais, bon, on va s'arrêter là dès que t'auras terminé le tour. Ouais. Je suis pas dispo demain, moi. Et peut-être. En vrai, j'allais te dire, au mieux qu'on continue peut-être d'ici une semaine. Parce que là, on a du contenu sur cette faire. Série. Mais je suis tellement hype par la moi aussi, campagne. Je suis hypé, mais le problème, c'est que mon disque dur, il est pas infini. Ah merde. Et comme ça, d'ici une semaine et demie, j'aurai terminé quelques rushs déjà que j'ai commencé depuis 2 semaines, et j'aurai de la place pour la nouvelle session qu'on fera. Ouais, pas de problème. Même si je suis très hypé par la campagne. Ah ouais, là, cette petite campagne, elle me plaît bien. Là. Apparemment. Je t'avoue que j'ai fait de la place. Moi, j'ai retiré genre 2 ou 3 mois de vidéo là. Pareil que toi, le disque dur. Même moi. Il me reste des trucs à sortir à côté de ça. Ah, je vais peut-être faire un temple de Poséidon. D'ailleurs. Pas mal. N'hésitez pas à faire un tour, encore une fois, je le dis, sur la chaîne de Vae. Il y a du contenu et pas que sur du Total War. Par exemple, sur sa chaîne Twitch, il fait beaucoup de War Thunder. Et par contre, petite précision, je republie rien sur YouTube, il y a War Thunder. Je fais que du live, 100% live. Donc passez sur son live si vous voulez voir du War Thunder. Après, ça m'arrive de faire des streams sur des jeux de stratégie, bien sûr. Mais c'est plus occasionnel, c'est histoire de publier du contenu sur ma chaîne YouTube, quoi. Parce que après, sinon, je me retrouve avec 12 000 rushs de jeux de strat qui durent 5 heures et je m'en sors plus. Je connais ça. Terrible. Quand t'es en plein dans la partie. Je sais pas quoi faire comme bâtiment. Et tu fais, ouais, prochain tour, j'arrête. Ouais, prochain tour. Non, toujours pas. Ouais, c'est ça le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais. Ah, tellement. Ce type de jeu-là. Les Colchides sont morts, encore une fois. Ça, c'est la... C'est quoi, c'est la 3e ou 4e fois, là. Ouais, c'est ouf. Je vais faire le bâtiment à Charax, histoire de pas oublier. C'est juste que j'ai un doute.
sur le bâtiment. Je sais pas quel type de temple faire. Un gros doute. T'as pas un temple qui te t'augmente ta ton pourcentage de revenus dû au à l'agriculture? Je suis pas sûr. J'ai pour la culture, le commerce, l'industrie. Plus 16% pour toutes les ressources. Les richesses générées par les esclaves. Ah si, c'est le bois de Daphné. Plus 20% de richesses relevant de, de l'agriculture. Bah ouais, fais ça. Ce qui peut se rajouter au bonus de la colonie fermière. Qui donne déjà plus 20% au stade 2 et au stade 4. Tier 4, c'est plus 80% de richesses relevant de l'agriculture. Ouais. Là, je vais faire une ville purement agriculture. Bref, bah voilà. Ça va te rapporter pas mal. Ouais. En train de recruter à Atra pour défendre la ville si besoin. Je vais laisser. Alors, Sierra, je peux construire un truc. Je pense, moi, je vais laisser une troupe. Cette laquelle. Les scarabées sacrés, je vais les laisser vers. Entre Masgat et Guerra. Comme ça, si jamais t'as besoin d'un coup de main, je serai pas très loin. Quoi. Ça marche. Merci du coup de main. Bon, c'est normal, hein. Tu m'as bien aidé aussi. Et un four, un fort. Ça marche. Bon, on va arrêter. Par contre, je tiens à souligner qu'il y a Pergame qui est en train d'assiéger une colonie. Pergame qui assiège. Ah oui, le royaume de Tilis. Ouais. Ils sont pas déjà en guerre contre les Rhodes? Si, mais comme Rhodes ne fait rien, on en profite. Hein. J'avoue. Bon, tant mieux, ça fait de la. Ah, la Bactrie accepte de faire du commerce. Waouh! Oh la vache! Même faire du commerce avec Tilis. Eh, hey, tu te fais 405 avec le commerce de la Bactrie. Hein. Ah ouais? Attends, j'ai pas fait gaffe. 405 par tour. Et Tilis. Ah non, ça c'est Athènes. Ouais, putain, Athènes, ils s'en mettent plein les fouilles. Hein. Ah, c'est là. Ah, ce qui me rapporte le plus de sous avec le commerce, c'est avec toi, je crois. Plus 700 pièces d'or, quasiment. 405 avec la Bactrie. Ouais, je vois 697, je crois. En fait, le commerce me rapporte 3200 pièces d'or. C'est quasiment la moitié de mes revenus. 3200 ? Ouais, au total. Ah là, j'attends, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup plus que moi, hein. T'es à combien toi? Je suis à 2900. D'accord. Oh, toi, c'est marrant. Non, bah, moi, la prochaine fois, j'irai capturer la province de Persis. Puis, je pense qu'il ira sûrement en Afrique de l'Ouest, en Libye. Ah oui, je vais enquiquiner du Romain là. J'ai hâte. Et puis, peut-être que quand j'aurai. Casser la gueule un peu aux Perses, j'irai faire la guerre au pont. J'aime pas trop faire des guerres sur deux fronts différents. Ah, j'irai. Je verrai bien. Surtout les ponts. Je vais regarder de mon côté. T'as Ankira qui est en plein milieu, surtout. Putain, je vais faire la sauvegarde aussi. Ah. Oula, ça déconne. Ouf. Ah, il me propose de faire la paix et partent. Mais je refusais parce que sinon je vais m'emmerder la prochaine fois. Ouais, t'as une belle province de Persis qui t'attend là. Et ah oui. Il t'a bien gardé au fond. Je crois qu'à Persépolis, je crois qu'il y a une merveille, non? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ma satrapie a récupéré un territoire. C'est un territoire de la région de Persis. T'as cette rapier à récupérer? Ouais. Ah oui, Drangan. Ah, j'aurai la province par allié interposé, techniquement.
Ouais, et puis en plus ça te fait récupérer là du verre à Suze. Quand même. Ah par contre là, culturellement, ils sont vraiment orientaux à 100% là. Oh oui la vache. Moi je viens de voir ça. Bah, je suis content parce que j'ai réussi à prendre la Mésopotamie en entier. Ah, ça fait un beau territoire. Hein. M'étonne. Bien fertile. Ouais, après le Nil, c'est la deuxième région du monde qui est assez fertile. Hein. Dans, c'est le croissant fertile. Dans ces hein. régions-là, ouais, c'est ça. C'est deux des grandes. Entre le Tigre et l'Euphrate, bah, c'est là que. Dans l'âge du bronze, les premières civilisations ont éclos. Exactement. Grâce à la fertilité qu'il y a là, entre le Tigre et l'Euphrate. Ça met bien. Et après, bien sûr, il y a le delta du Nil, pardon, qui est tout aussi fertile, très, très voire fertile. Plus. Grâce aux. Je crois que c'est aux minéraux de. Aux sédiments de je sais plus quoi, un truc comme ça. Des crues du Nil. Ah d'accord, je connaissais pas les trucs techniques comme ça. Je crois que le truc c'est que, tu sais, quand on fait trop les mêmes plantations au même endroit, ça devient, ça baisse la au niveau de la rentabilité. Le truc étant que, bah, forcément, quand tu as planté par exemple du blé, ça va pomper certains minéraux du sol. Et je crois, alors, à prendre avec des pincettes, c'est ce que je dis, hein, mais je crois que quand il y a les crues du Nil. Bah, ça inonde un peu les bords du Nil, mais ça vient déposer plein de minéraux, d'oligo-éléments ou de choses du genre qui font que ben, le blé va repousser grâce à ça. Okay. Moi, les céréales, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. D'accord, je savais pas. Ce qui fait que ils pouvaient planter ce qu'ils voulaient, ça poussait parce que c'était ultra bien. C'est. Comment on dit ? C'était du bon engrais naturel. Ça voilà. Allez, ouais, je l'avais pas précisé lors des autres sessions, mais bah, dans chaque épisode que je mettrai de mon côté, je mettrai le lien de ta vidéo à toi. Oui, par. De ton point de vue avec l'Egypte. La vidéo. Je sais pas, vu qu'on la sort pas en même temps, on pourra pas savoir quelle vidéo c'est. Mais le lien de la chaîne, ou alors t'as peut-être le lien. Est-ce que tu fais un. Merde, j'ai plus le terme, comment ça s'appelle Ouais, donc. Attends. Une playlist, voilà. Ah oui, oui, après je peux aussi partager le lien de ta playlist. Bah moi je pense sûr. Que je partagerai le lien de ta playlist. Ce sera plus simple. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Je pense que tu feras pareil. Et... À ce moment-là, sort ta première vidéo bah, le 21 comme tu as prévu. Mmh. Et comme ça, tu auras fait ta playlist. Moi, je la sors le 22 de mon côté. Ouais. Comme ça, bah, dans ma description, je mets ta playlist à toi. Bah attends, tu sais quoi, je la crée maintenant et je te l'envoie en message. Ça marche. Bon, de toute façon, on a le temps pour s'organiser. Ouais. Ouais, mais bon, une fois que c'est fait, au moins, c'est. Je me dis. Allez. Chrome 2. L'autre soir, vers 4h du matin, je voulais faire la miniature, mais j'avais pas d'idée. J'étais en manque de créativité. tu peux m'envoyer juste l'orthographe exact sur. Sur Discord, ton pseudo, s'il te plaît. Le pseudo YouTube. La chaîne YouTube, ça marche. Hop, moi, je vais arrêter mon enregistrement, là.